Hey, salut tous les amis, c'est Day la Farge Pokémon, j'espère que vous allez bien, j'en ai m'écouter ça avec très bien, ça va super, j'ai juste la voix cassée après cette magnifique demi-finale de l'équipe de France. Waouh, quel match! Enfin bref mes amis, aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un tout nouveau Pokémon qui vient de sortir pour Pokémon Soleil et Lune. Attention, il s'agit de Tritox. Tritox, nouveau Pokémon, je vous propose qu'on en parle juste après. Mais David, pourquoi tu fais une vidéo que pour un Pokémon? Car j'ai été parmi les premières personnes à avoir vu ce Pokémon en direct, dévoilé pour la première fois dans le monde entier à la Japan Expo. J'étais là et j'étais en presse, du coup j'ai pu filmer mes propres images à moi. Donc du coup mes amis, ce que je vous propose, eh ben, c'est qu'on découvre les talents, le type de ce Pokémon, etc. Maintenant. Donc du coup Tritox c'est un Pokémon Toxi-Lézard, et oui c'est un tout petit lézard, Toxi-Lézard parce que toxique, vous allez comprendre pourquoi. C'est un Pokémon de type feu et poison, et attention, Tritox, il possède un talent juste incroyable mes amis, c'est le talent Corrosion. Le talent Corrosion permet à Tritox d'empoisonner tous les types de Pokémon. Lui il a plus le temps, Tritox n'a plus le temps, il peut empoisonner tous les types de Pokémon. Du coup, bah écoutez, c'est juste incroyable. Et d'ailleurs, quand ça a été dévoilé à la Japan Expo, il y avait plein de joueurs, etc. Tout le monde a crié, c'était un truc de fou. Et du coup, ce que je vous propose également, mes amis, en plus des images officielles qui viennent du site internet, c'est que je vous mette peut-être à la fin de cette vidéo des images que moi-même j'ai filmées sur scène quand il y avait Matsuda et juste derrière lui l'écran qui dévoilait Tritox. Et j'ai filmé aussi un peu la réaction de la scène, vous montrer tout ça, comment tout le monde a réagi, etc. Et donc du coup mes amis, bah écoutez, tout simplement, bah c'est tout. Il y a juste un petit truc qui m'a fait rire sur Tritox. Quand tu lis bien la description du Pokémon, les Tritox femelles, donc ça serait marqué sur le site de Pokémon Soleil et Lune, les Tritox femelles peuvent attirer avec un espèce de phéromones ou je sais pas trop quoi, en plus des mâles, de pouvoir empoisonner tout le monde. Elles ont une espèce de phéromone qu'elles dégagent qui peut draguer, attirer tous les Pokémon, mais pas que, aussi les humains. Et ça m'a tué, genre attention aux humains et tout. T'imagines ou pas l'invasion des Tritox qui draguent les humains. Enfin bref, du coup c'est une petite partie qui m'a fait plaisir, etc. Voilà, donc du coup mes amis, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Vous aurez juste après ça des images de la Japan Expo, de ce qui s'est passé pendant la masterclass avec Matsuda, etc. à l'annonce de ce nouveau Pokémon Tritox. En tout cas mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo très courte mais c'est une vidéo bonus. Voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur Tritox. Moi j'étais à l'événement, j'étais parmi les premières personnes qui l'ont vu. Donc autant vous le partager, même si maintenant tout le monde est un petit peu au courant. Moi ça me fait plaisir et ça garde un petit souvenir pour moi. Du coup mes amis, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Plein de bisous. On se dit à très bientôt. Bye bye. Alors, je vais vous prévenir qu'on ne l'a pas vu, ni Florent, ni moi. C'est vraiment la surprise. Le secret a été gardé jusqu'à la dernière seconde. Et vous ici, aujourd'hui, à Japan Expo, vous allez être les premiers à découvrir donc ce nouveau Pokémon. Donc il y a une vidéo. On en parle maintenant, on regarde la vidéo d'abord. On regarde d'abord la vidéo. Alors je vous laisse la lancer. En français on dit c'est parti. C'est parti. De ce Pokémon, c'est ici à Japan Expo. Merci beaucoup pour ce cadeau. Qu'est-ce qu'on peut en dire donc de Tritox? Présentez-le nous.